La part sensorial és en el celler qui ens permet, en el dia a dia, marcar les directrius. També és així quan treballem en una atracció animal, en el nostre paratge, permetent-nos observar i sentir millor la terra, no? La seva textura i el seu perfum. Si sempre hi ha d'haver un testimoni, jo penso que aquest és el nostre testimoni. A casa sempre hem intentat rodejar-nos de gent que ens ajudi a emprendre el nostre camí. Un inici va ser conèixer en Tomàs. Arriba aquí a casa nostra, amb els seus dos cavalls, amb una forma de vida molt, molt concreta. I realment, doncs, bé, això ensenya al nostre equip que és una possibilitat. Nosaltres busquem com podem tindre els nostres propis animals. Per això construïm una granja, per poder tindre aquest nucli, aquest cord, no?, que entenem el concepte granja, per poder treballar en biodinàmica. Al principi és per tindre allà els nostres bens, també per les nostres vaques, algun cavall de monta, però arriba un moment en què ens podem arribar a creure que aquests cavalls no només poden servir per barrejar els dos mons, no?, el reine animal i el món vegetal, sinó també per poder treballar la terra, i aquesta terra és la que d'alguna manera ens ha de donar tot el seu potencial o aprofitar tot el seu potencial per poder després tindre-ho en cada una de les nostres, dels vins que elaborem. Després l'atzar ens porta a trobar un senyor que porta més de 30 anys treballant amb la formació de persones que després treballen a la vinya i amb el cavall. Aleshores, dic, bueno, i on està aquest senyor? Pues aquest senyor està perdut en un poblet dels Pirineus. Pues vinga, anem a la veure, no? Donc, je m'appelle Claude Sandillon. Je suis ancien formateur traction animale. Avec une association donc, qui s'appelle Promata en France. La traction animale, c'est une puissance limitée, hein, c'est-à-dire que l'animal ne peut pas travailler plus que ce qu'il peut faire. Et donc, à partir de là, on ne peut pas travailler la terre à n'importe quel moment. Hein, on est obligé de faire attention à l'état du sol pour pouvoir travailler la terre. C'est-à-dire qu'on travaille la terre toujours au bon moment. Pour travailler avec le cheval, bon, bah, c'est un processus qui est très long, hein, c'est-à-dire qu'il faut que quand un animal arrive ici, il soit habitué au lieu, il soit habitué aux gens, et puis qu'il commence à accepter progressivement le travail qu'on lui demande de faire. Alors il y a une relation qui s'établit de confiance, et puis ça peut aller jusqu'à la complicité, c'est-à-dire que l'animal, dans le travail, quand on travaille toujours la même personne ou une ou deux personnes, au bout d'un moment, il y a une complicité qui s'installe et une relation qui fait que l'animal va anticiper un petit peu les ordres ou les demandes que va faire l'être humain. Et ben, c'est un rapport humain, quoi, hein. C'est un rapport affectif, c'est un rapport... Qui peut permettre donc de... On n'est pas, on parle pas à un moteur, on peut parler à un cheval. Lo bonic de tot plegat és prendre consciència que tens un camí enorme per explorar. Avui en dia, a Gramona, la biodinàmica comença a arrelar, però que hi ha encara molta feina a fer.